J'ai trouvé des AirPods 3 Pro à seulement 5€. Sauf que c'est pas du Apple. Et je me suis dit, pourquoi le faire comme d'habitude en fait? Je vais les déballer là maintenant, et comme ça on verra ensemble ce que ça vaut, si c'est vraiment de la dope, parce que 5€, il y a des grandes chances. Bon, j'ai qu'une caméra ici, donc je vais déballer devant, ça va être la galère avec l'autofocus pourri. Bon déjà, ça ressemble à rien, désolé pour le bruit du... Alors... Le fil de chez Apple, avec l'embout Made in Apple. Une notice Made in chinois. Bon bah je pense que tu t'en fous un peu, hein, de toute façon. Et il est emballé de film bleu plastique. Je vais être honnête, j'ai jamais eu les vrais entre les mains. Donc pour comparer, ça va être dur, ce sera à toi de me le dire en commentaire. C'est la merde ce truc. Et alors je sais pas à quoi ressemblent les vrais, mais pour 5 balles, j'aime. Bon, normalement c'est censé être net pour toi, t'es censé voir à quoi ça ressemble là. Alors oui, oui c'est beau. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses, si c'est des vrais ou pas. Tu me dis 70 balles, 50 balles, j'y crois presque. Un petit peu léger et ouais. Non franchement ça va. En tout cas la position dans les oreilles c'est pas mal, ça sonorise un petit peu le son. Ils sont déjà dégueulasses. Je suis l'homme de cire. On va essayer de les trouver directement sur le téléphone. À savoir leur nom, j'en ai aucune idée. AirPods Pro. Eh, hey, si ça s'appelle AirPods Pro, s'associer, je crois que c'est des vrais AirPods Pro. Enfin, c'est leur vrai nom. Mettre de la musique, on va voir. Hein. Mais c'est pas mal, cette connerie. Là. Eh, franchement, 5 balles, on monte le son. Je vais te faire écouter. Il est où? Merde. Ils ont grillé. Il n'y a plus de son. Qui a mis power off? Je crois qu'ils ont plus de batterie. Ouais. Ouais, comme tu vois, échec de la connexion. Je sais pas comment je dois faire. J'avais tout prévu, j'avais tout fait le truc bien. Et là, c'est la merde. Bon, bah, je vais les mettre en charge et on va essayer de revenir après les tester. Bon, allez, me revoilà. Ça fait une bonne demi-heure qu'il est en train de charger avec ma batterie nomade. Après, ou on est pro ou on l'est pas. Et il n'y a plus de lumière rouge. Donc, s'il n'y a plus de lumière rouge, ça veut dire qu'il est chargé. Donc, s'il est chargé, ça veut dire que je peux écouter la musique. Franchement, j'ai peur. Et je vais écouter du Lara Fabian. Non, de la Reine des Neiges. Ah non, du Grégory le Marshall. C'est pas mal, hein. Bah, quand je dis pas mal, c'est pour 5 balles. Hein. Je sais quoi, on va tester le micro, je vais faire un appel. J'ai l'impression d'être trouble. On va tester ça. On va faire un appel tout de suite. Et je vais essayer de te faire écouter directement. Ça va être compliqué, mais on va voir. Allô, tu m'entends? Bien, du genre bien, bien ou bien pourri? Je t'appelle avec un kit main libre, alors dis-moi si le son est bien. C'est correct? Tu te donnerais combien sur 10? Ouais, tout comme toi, quoi. On va arrêter un petit peu là le son parce que surpris dans le bon sens. Alors oui, là, la batterie a pas duré longtemps et sincèrement, je vais pas l'essayer pendant longtemps parce qu'on n'est pas sur du son. Et alors, niveau design, ça ressemble beaucoup. Hein. J'ai été vérifié sur Internet, quand même, ça ressemble beaucoup aux AirPods Pro. C'est pas mal, on a des finitions, vraiment, du genre, je dirais même soigné, tu vois, pour 5 balles, soigné. On se retrouve avec un boîtier qui est pas dégueulasse, faut l'avouer, c'est plutôt bien. Des écouteurs qui sont pas dégueulasses, qui sont plutôt jolis. On a une sorte d'anti-bruit, hein. C'est clair qu'on a une isolation. On peut dire que ça fait un peu réduction de bruit, mais voilà. J'allais dire pas de contrôle tactile. Attends. Non mais c'est une blague. Dis-moi pas qu'il y a un contrôle sur les écouteurs. J'ai eu peur pendant une seconde. J'ai cru qu'il y avait un contrôle tactile ou de son. Niet. Non mais c'est une blague. Ou alors, c'est le Bluetooth qui déconne et j'ai l'impression de couper le son. Mettre mon téléphone loin. Putain mais c'est pas possible. Il y a un contrôle quelque part. Ah, ça marche. Plus. Il y a du tactile, hein. Il y en a. Hein. C'est une blague, j'arrive plus à changer la musique. Ouais, ça va me rendre fou. En fait, quand je passe, non. Là, cette partie-là, franchement, j'arrive pas à trouver. Alors, je sais pas si tu vois, il y a une sorte de petit rectangle là au milieu de... Je vais essayer de mettre mon doigt dessus. Là, par là. Ici, là, il a mis lecture. Là, il a arrêté. Super mal placé et super long. Une fois en bas, c'est pause, ça marche plus. Écoute, on a du tactile. Faisons un point sur ces écouteurs. Déjà, le prix 5 balles. Bon, ils seront peut-être à 8 balles. D'ailleurs, je t'aurais mis les liens en dessous si tu veux les acheter, si t'intéresses. Sache qu'au niveau du son, c'est pas ça. Le son est pas mauvais. Bizarrement, pour ce tarif, le son est pas mauvais. Il est pas bon, c'est clair, mais c'est pas le truc qui va te rendre sourd totalement. Tu vas te dire, c'est de la dope, tu peux pas écouter de la musique. Tu prendras pas ton pied comme certains écouteurs à 30, 40, 50, 60 euros qui sont largement mieux. Il y a quand même du contrôle tactile. Alors, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, hein, qu'on est moins bête que moi, bah, tu peux le contrôler tactilement. Oui, c'est ça. Et c'est pas si mal. Bon, réduction de bruit. Oui, t'en as une passive, hein. C'est normal, c'est parce que c'est de l'intra-auriculaire. Parce qu'on est sur de l'intra-auriculaire. En intra-auriculaire, j'ai honte.
Là où ça va vraiment être dégueulasse, c'est au niveau de l'autonomie. Je pense pas que ça dure des heures, je pense pas que ça dure 3 heures, je pense que tu auras plutôt une heure d'écoute. En tout cas, le Bluetooth, on est sur du Bluetooth 5.0 et le son fonctionnait bien, même sur une distance de 1 mètre, 1m50. Donc c'est plutôt bien quand tu mets dans les poches, il n'y a pas de souci. Donc oui, c'est bizarre, je conseille à acheter ces écouteurs à 5 balles pour les gens qui adorent Apple et qui veulent avoir des bonnes copies d'Apple et qui ont vraiment pas beaucoup d'argent à mettre là-dedans. Tu trouveras beaucoup mieux à 20 balles, 30 balles, mais c'est un petit peu normal. Mais en tout cas, pour un tarif comme ça, juste bluffé, frappe à dingue, terrible. Dis-le moi dans les commentaires ce que t'en penses et j'espère que ça t'a plu. Parce qu'il faudra mettre le pouce bleu si c'est le cas et puis t'abonner si t'es pas un Tokyo NT. Bon, bah on en a fini, hein. Je te dis à la prochaine vidéo. Bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tuki Wanchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.